élu et la consigne de l'histoire. Quand je n'étais pas président, je venais ici. Quand j'étais président, je venais ici. Quand je ne suis plus président, je viens ici. Je commence par ces mots pour dire que j'ai été très attristé de voir que quelques personnes voulaient m'empêcher de venir ici. Mais ces personnes-là, elles viennent vous. Ici, c'est le centre de la montée. Et cette ville-là, elle s'appelle Ajopé. Elle est la capitale administrative de ce qu'on appelle aujourd'hui la région de la mer, mais qui est la région des lacs, des bois et des agneaux. C'est ici que nous sommes. Et moi, je m'appelle Bakolo. Ou à Bonne, je venais en voiture ici et je prenais mon hélicoptère ici pour pouvoir aller de moi. D'où viennent ces personnes? Heureusement que les autorités administratives, avec à l'air d'être le préfet, ont permis des discussions qui ont abouti à la rédaction d'un communiqué commun. Je voudrais remercier le député du RHDP qui a participé avec Béda Boni, Boni Béda, qui ont lu ce texte à présent. Même si les excités ne sont pas complètement apaisés, parce que même aujourd'hui, il pourrait encore empêcher les gens d'arriver ici. Mais je ne sais pas. Mais vous qui connaissez le pays, vous qui connaissez l'histoire, allez-là expliquer que nous, lui-là, c'est Bambo et c'est celui-ci. Allez-là dire ça. Avant, quand je n'étais pas encore président,
Je quittais même Abidjan. Quand les camarades étaient en campagne électorale, ici, pour la députation ou pour la mairie, je m'en souviens une fois pour la mairie de Monet, Léon et de Agnès, je prenais ma voiture, je conduisais, j'arrivais, je passais un ou deux minutes, et puis je rentrais chez moi à la maison. Alors, vous venez brusquement, et je suis là, je vous que ma femme va pas venir ici. Mais vous êtes où quand je venais ici? Êtes-vous quand je venais ici? Où étiez-vous quand il venait prendre un déjeuner ici pour retourner? Où étiez-vous? Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire comme si on ne fait pas. Parce qu'on sait. On sait. Il ne faut pas faire comme si on ne fait pas. Parce que tout le monde ici sait. Tout le monde ici sait. On ne peut pas empêcher un homme politique d'aller dans une région. On ne peut pas. Parce que on crée le tribalisme. On crée le tribalisme. Moi, je ne suis pas à pied, mais je suis d'ici. Je suis d'ici. Je ne sais pas si les gens comprennent ça. On n'a pas besoin d'être d'une ethnie pour être d'une religion. Non. Non. Et non. Oui, est-ce que ceux-là, ils sont même plus à queue que moi. C'est difficile, ça. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas créer le tribalisme. Depuis la création du petit parti, et j'ai participé un peu à l'avènement du petit parti. Et du petit peu. Il y a le père. Je n'ai jamais interdit à quelqu'un d'aller parler à ses droits. Jamais. Jamais je n'ai interdit à aucun homme politique d'aller à Ganoa, d'aller à Rangano, d'aller à Guibéro pour parler, pour faire une vie. Jamais. Mais mieux, en 1995, le FPI, que j'ai dirigé alors, et le RDR, ont décidé de faire une boycott actif des élections présidentielles, des élections présidentielles. Alors, à Ganoa, le ministre de l'Intérieur a suspendu les élections législatives et les élections municipales. Quand un an après, il a réautorisé la tenue de ces élections-là,
au moment de l'élection municipale, Laurent Bonnard Colombo, qui était à l'époque secrétaire général du PDC-RDA, a programmé de faire un meeting à Ouagadougou le vendredi précédant l'élection. Moi aussi, j'avais programmé un meeting ce même vendredi à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est un petit village. On ne peut pas faire deux meetings, c'est-à-dire les gens iront à l'un et personne ira à l'autre. Et suivez mon regard. Donc, pour ne pas mettre Colombo mal à l'aise, j'ai mis le vendredi mon meeting à Guidelois pour le laisser venir. Et j'ai laissé un bélier au candidat à la mairie. Bon, j'étais assuré d'être venu parce que ça c'est quand même le regalo. Donc je lui ai laissé un bélier pour le remettre à Colombo en signe de bienvenue. Colombo est venu, il s'attendait à être lié, il s'attendait à être lapidé parce qu'on était dans la phase de boycott actif. Il trouve Monsieur le maire Ouagadougou, qui se tient au lieu de son meeting et qui lui apporte un bélier pour dire le président de Rapaco que je souhaite la bienvenue à Ouagadougou. Quand un homme n'a pas peur, c'est comme ça qu'il a dit. Quand quelqu'un n'a pas peur, c'est comme ça qu'il a dit. Et je n'ai pas peur. Donc, je lui ai offert un béni. Et je ne l'ai pas parlé. C'est lui qui, sur le champ, en a parlé à la radio, à la télévision, à Fraternité Matin, il en a parlé partout. Donc, quand la semaine suivante, nous sommes arrivés à Abidjan, le cardinal Aglé nous a invités, lui et moi, à une messe au dimanche, et nous a demandé de prendre la parole. Parce qu'il a estimé que cet exemple-là pouvait servir à tous les hommes politiques. Je le redis, ici, aujourd'hui, cet exemple-là peut servir à tous les hommes politiques. Parce que ceux qui se sont excités et qui ont peur manifestement, ils n'ont même pas peur de moi. Ils ont peur des combats internes à leur propre parti. Parce que moi, ça fait longtemps que je suis heureux. J'ai occupé le poste en chef. J'ai été député, je n'ai jamais été candidat à la mairie, donc je n'ai pas été maire parce que je disais que ça allait m'ennuyer. Madame le maire, excusez-moi, d'être assis et puis gérer quotidiennement
la mairie, j'avais dit à Monet, on va être maire d'Azopé, et Monet a été maire d'Azopé. Mais elle, sa femme est maire d'Azopé, mais moi, je n'aime pas beaucoup la gestion quotidienne d'une mairie, mais j'ai été député, j'ai été président de la République, je veux pas encore. Je ne veux pas encore. Non, je veux une chaise depuis longtemps, un peu. J'ai déjà eu ça. Moi, j'ai déjà eu. Qui reste un peu, mais qui n'amène pas ça sur moi, qui ai déjà eu tout, et je suis là pour aider les autres. Non, on ne fait pas comme ça. Dans un pays civilisé, on ne fait pas comme ça. Et je dis, oui, bon. Oui, bon. Quand quelqu'un sert de telles idées, découragez-le. Découragez-le. Dites-lui qu'il se trompe de nous. Nous avons trop souffert pour le multipartisme, pour que ces jeunes gens viennent pour mettre ça en péril. Nous étions ici, personne d'autre ne parlait qu'un seul parti. Nous étions ici, on a lutté. J'ai fait l'exil, j'ai fait la prison, je suis tombé ici, je suis tombé là. Mais au moins aujourd'hui, on a la liberté de venir à Azopé et de parler au peuple haïtien, au peuple boire, au peuple ami. Il ne faut pas que leur cœur nous arrache ce bien-être. Il ne faut pas que leur cœur. Leur peur, parce qu'il s'agit de peur. Il s'agit de peur. Il ne faut pas que leur peur nous empêche bien. Parce que tu dis ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir avec eux? Moi, je vais faire quoi avec eux? Je ne vais pas aller avec quelqu'un, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir à avoir avec eux. Rien. 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 Donc, il ne faut pas que leur peur nous arrache cette liberté essentielle que nous avons gagnée. Je voulais commencer par ça. Je voulais commencer par ça pour dire que jamais à Kanyouan, nous n'avons empêché quelqu'un d'aller s'exprimer et puis nous sommes bien là-bas. On se sent bien. La peur est une mauvaise conseillère. La peur est une très mauvaise conseillère. Madame le maire, je vous salue. Je salue les représentants de votre époque. Je salue tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont là. Je salue les chefs.
On nous a intimidés, on a intimidé beaucoup. Mais moi, je viens chez moi. Je viens ici, sur ce stade-là. Les mêmes chefs m'ont béni avant l'élection contre Gaye Nouvelle en 2000. Ici, là. Je suis venu me faire bénir, ça ne fait pas aujourd'hui. Je suis venu dire, qu'est-ce qu'il y a fait plus? J'ai dit non. Je m'en vais à une élection contre Gaye Nouvelle. Il est militaire, il a des armes, il est effrayant. Ils disent que si il faut partir, ils m'ont béni ici. Donc, chers amis, je vous salue, les chefs, les femmes, les jeunes, je vous salue, vous tous. Je vous salue, vous tous. Oh, aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de mon séjour à ce pays. Un garçon quand tu vas à la chasse, parce que chez nous, nous sommes des grands chasseurs, quand tu vas à la chasse, il faut savoir que tu peux rapporter beaucoup de gibier. Mais tu peux aussi rencontrer beaucoup d'animaux féroces. Qui peuvent venir chez toi, il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt. Et quand un animal féroce vient sur toi, que tu te contentes de fuir, tu es quand même préparé. Il est prêt à faire face à tout. Moi, quand j'étais au CM2, j'avais 13 ans, je suis allé dans la brousse, à la frontière avec les Gabon, où mon père venait de tuer un éléphant. Je suis monté sur l'éléphant. Comme j'ai vu, il y avait une panthère qui rôdait tous les soirs autour du village pour venir attraper les brebis. C'est mon père aussi qui l'a tué. Donc je suis habitué à affronter les difficultés. Aujourd'hui, j'affronte les difficultés. Je suis habitué. Donc, ce n'est pas ces petites difficultés-là. Ces petites difficultés-là qui vont. Qui vont me faire peur, non. Non. Quand même, il faut que je respecte un peu. Leur parti, c'est comment les RHDP, non. Rassemblement des ouvriers. Mais si je n'ai pas eu peur, je vous peux mieux. Thank you.
Quand on parle de la reporter, il est comme excité. Il faut bannir la peur. Il faut bannir la peur. On ne fait pas la politique quand on a peur. Mais en même temps, il faut que nous créions un système, on appelle ça la démocratie, pour que ceux qui veulent faire la politique n'aient pas de raison d'avoir peur. C'est pourquoi toujours j'appelle à la libération des prisonniers politiques. Qu'ils soient militaires ou qu'ils soient civils, j'appelle à leur libération. Un pays est apaisé quand il n'y a pas de prisonniers politiques. Et là, le petit Chica, il a commencé. Il a dit ça. Il servait souvent à la présidence. Il est en prison. Il y a d'autres militaires qui sont là. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, et je le répète, c'est moi le chef des militaires, c'est moi qui étais le chef des militaires. C'est moi qui leur donne les mots d'ordre pour agir. Les militaires, les gendarmes, les policiers, c'est moi. On nous arrête par suite d'une défaite militaire. Bon, moi-même, en haut. On croit que là-bas, on croit que là-bas, je n'ai plus de bâtis. On m'emmène en haut. Je vais et les gens me demandent et je leur explique. On me pose des questions et je réponds. Mais parce que quand tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas peur. Et tu dis ce que tu as fait et tu dis ce que tu as dit aux gens de faire. J'ai dit la vérité. J'ai dit ça là, c'est moi qui fais. Ou bien ça là, c'est pas moi qui fais. Ça, c'est moi qui fais. Ça, c'est pas moi qui fais. Le procès a duré 3 ans, je crois. Le reste du temps, on me maintient comme ça parce que, il y a des calendriers politiques en dessous. Donc, on me bat la main à la main. Je vois ce que je vois. Et eux, ils savent que je vois. La jeune femme de ma femme est-elle à déménager pour aller s'installer en Europe pour s'occuper de moi. Vous m'avez amené quelque part.
On dit que c'est un là, non. On m'a jugé. Et on dit que je n'ai rien fait. On dit que je n'ai rien fait. Mais, les militaires qui servaient sous moi et qui sont encore en prison, ils font quoi là-bas? Si moi, le chef, je n'ai rien fait, eux, ils ont fait quoi? C'est la seule question. C'est la seule question. Si le chef des militaires n'a rien fait, pourquoi le militaire est plus en prison? Question. Voilà. Question. La réponse se trouve entre d'autres mains. Moi, je n'ai pas la question. La réponse se trouve entre d'autres mains. Donc je demande qu'on les libère. Je demande qu'on les libère parce que moi, qu'on a jugé en leur nom, je suis libéré. On a jugé en leur nom, je suis libéré. Je suis libéré. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as peur, tu fais de mauvaises choses. Tu fais de mauvaises choses. Oh. Les militaires, je demande que les libèrent. Bon, les jeunes n'ont pas non plus géré Paris. Il paraît qu'on vient d'arrêter un autre. Quand on appelle le Renault Sénat. Ça fait mauvais effet et ça fait une mauvaise réputation pour ce pays-là. J'ai été président 10 ans. Quel homme politique j'ai arrêté? Quel homme politique j'ai arrêté? Et pourtant, il m'insultait. Il m'insultait. Il ne veut rien. Mais quelqu'un qui n'a rien à dire que les gens te suivent comme ça. Moi, tu me suis dit de suite. Et toi, on va venir la route. Tu me suis. Le lendemain, je te suis pour vous. Tu vas pas en prison. Et puis, on s'insulte. Alors, quand j'ai fatigué d'être insulté aussi, bon, tu le sais. Et puis, il y a un autre de chute, lui aussi de chute. C'est tout. On est de voir les gens qui les mettent en prison. Tu les mets en prison, tu les grandis. Tu les grandis, tu en fais des héros, tu en fais des chefs. Pourquoi je veux faire de mon adversaire? Je ne veux pas de bien chef. Il me suit, il est juste depuis là. Et puis c'est fini. C'est tout. Donc il faut les libérer. Il faut libérer tous ceux qui sont en prison. Pour des raisons politiques. Je les demande. Là, j'ai appris une bonne nouvelle. C'est pour le boulet qui était en prison avec moi. Il est rentré dans l'Israël parce qu'il faisait la rentrée.
Il vient de rentrer. Bon, c'est une très bonne chose. Au moment où je parle, pour moi, il devrait être à Guidero que lui là-bas. C'est une bonne chose. Et ça, c'est un chapitre qui est clos. Maintenant, il reste Torokio. Lui, il fait quoi là-bas? Pourquoi lui, à le maintenir en exil, il faut lui dire je demande que Sorodio rentre à son pays. Parce que, on dit souvent oui, c'est un enfant qui est impoli, il prépare tel coup, il prépare tel coup. Moi, il ne prépare pas un coup. Il a fait un coup contre moi. Et moi, il ne prépare pas un coup. Il a fait un coup. Il a fait une guerre civile qui est partie de Ouagadougou avec la complicité du Burkina et d'autres pays. Que je ne veux pas souffrir pour ne pas aggraver les débats. Et quand je l'ai rencontré, j'ai rappelé, j'ai dit bien, viens voir Paris. On a discuté. Il dit pour que tu aies confiance, allons chez ton parrain. Le président du PASO. Et là-bas, on a signé l'accord politique du Ouagadougou. J'ai dit, tu as confiance, non? J'ai dit, oui, j'ai dit, bon, viens, allons en Côte d'Ivoire, allez en Côte d'Ivoire, viens être premier ministre. Il était toujours étonné. Le tout ça. Mais la preuve, c'est que bon, on a eu 3-4 ans de la famille. De faire de travailler tranquillement. Donc il y a plusieurs manières de tuer les conflits politiques. Il y en a qui veulent les tuer en mettant les gens en prison. Mais quand vous les mettez en prison, d'autres se souviennent. Moi je l'ai appelé. J'ai appelé. J'ai dit, bien, on va parler. Et on a parlé. Il faut qu'il rentre. Quand il va rentrer, il n'y aura plus de problème. De son côté, en tout cas. De son côté. Je voudrais, avant de finir, dire un mot sur les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Les jeunes, ceux qui sont nés au moment où moi je devenais président, c'est-à-dire en 2000, ils ont 22 ans maintenant. J'ai pris pour eux, avant leur naissance, une loi pour qu'à 18 ans, le jeune soit majeur, soit reconnu comme tel, et qu'il puisse voter aussi. Parce qu'à 18 ans, un jeune est un homme qui sait ce qu'il veut. À 18 ans, s'il est à l'école, il n'y a rien de pas, etc. Les jeunes, ne soyez pas désespérés.
ne soyez pas désespérés. Il y a beaucoup de choses à faire avec vous. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais souvent, ceux qui gouvernent regardent ailleurs. On veut dire regarder ailleurs. Souvent, ils regardent ailleurs. Souvent, pourquoi ils regardent ailleurs? Je propose que dans quelques mois, je propose d'organiser un grand rassemblement avec les jeunes. Avec les jeunes. Jeunes garçons comme jeunes filles, pour qu'on parle. Pour qu'on parle. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes avec nous. Il y a beaucoup de jeunes. Vous connaissez. Mais je vais organiser un rassemblement avec les jeunes pour que on puisse trouver des pistes de sortie de crise pour chacun. Pour qu'on puisse trouver des pistes de sortie de crise pour chacun. Ce temps n'est pas encore arrivé, mais soyez courageux. Soyez courageux. Je veux prier, soyez merci de m'avoir reçu. Ici. Soyez remercié de m'avoir reçu ici. Soyez remercié d'avoir prié pour moi. En 90, ici, quand on faisait notre première élection législative, nous avons eu un député à Paris. Nous avons eu un député à Coupé. Nous avons eu un député à Azopé sous préfecture. C'était 3 députés sur 9. Et c'est pourquoi la démocratie a été sauvée. C'est pourquoi on n'a pas dit que le FPI était un parti de bêtises. Je vous remercie, le chef. Je vous remercie. Et donc, les jeunes, soyez dignes de vos grands-pères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. De la tête sur place, que les gars viennent installer ici tranquillement. Donc, tous ceux qui sont venus par car, dans la tête sur place, que les gars viennent les chercher. La carte de notre mère, de Baou. Yeah.